Sauria. Aurie, Aurie Sauria. Aurie. Yes, papa. C'est les gens, c'est cadeau. Aurie, oui, oui. Suna, oui. Suna. Comment s'appelle-t-elle? Madame Martin. Madame quoi? Madame Martin. Madame Martin. Ouais, je vois. Tu as ouvert la boîte de Pandore. Et la diablesse ne veut pas rentrer dans sa boîte. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Tu as bien fait. Qu'est-ce que tu penses des allumettes d'invincibilité? Amulette d'invincibilité. On s'en fout. On est marabout de père en fils. Je vais te donner un œuf. Tu vas mettre en dessous du lit de ta professeuse. Ça va absorber tous les mauvaises ondes. J'avais une autre idée. Je vois. J'étais sûr. Tu penses à l'envoûtement? Oui, c'est bien. Mais c'est très, très cher pour ce projet. Il me faut des effets personnels de ta professeuse. Écoute-moi bien. Tu vas m'envoyer un ongle, un mèche de cheveux ou un chéquier. Un extrait de casier judiciaire, ça irait? Comme tu veux, pourquoi pas. Alors, escroquerie, conduite en état d'ivresse. Elle est vraiment mauvaise, ta professeuse. Exercice illégal de la médecine. Abus de faiblesse au nom d'un certain Jocelyn Touré. Donne ça, petit voyou. Bande de salauds. Dis professeur Baba, dis maître Destin Kateba. Où est-ce que tu as eu tout ça? Internet. Internet, internet. Et la vie privée des gens, hein? Vas-y, accouche. Qu'est-ce que tu veux?